Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve devant ma fraiseuse numérique 3 axes. Nous allons fabriquer aujourd'hui le logo LED 205 vers 6 pour le projet de coupable Madforge Motor. Première partie, le plexiglas 8 mm, un plexiglas coulé, donc qui peut s'usiner proprement. Une plaque en bois pour pouvoir détourer le logo directement sans aller taper sur le marbre. Donc je commence par le bridage de la pièce. Donc une longue vis avec une petite rondelle carrée qui reste dans la rainure. On le positionne comme ceci. Donc on met en appui la pièce sur la plaque en bois. On fait la même chose de l'autre côté. Donc très bientôt, je pense que je pourrai faire les vidéos en FPV avec une caméra modifiée pour être entre les deux yeux et pouvoir avoir un point de vue de ce que je fais. Donc ce qui fait que ça évitera de voir mes bras, on aura quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc je travaille là-dessus. Donc pour l'instant, hop, je vais enlever partiellement la protection. Donc j'ai commencé à mettre le premier outil, une fraise en V90 de diamètre 4 mm. Donc on peut voir ici, avec trois dentures. Un collet ER20 de diamètre 4. Le collet qui se met dans l'écrou et qui va se mettre sur la broche. Donc là je viens de mettre en route toute la partie moteur pas à pas. Ce qui fait que ça fait effectivement un peu de bruit. Et je vais rapprocher la tête pour que vous puissiez voir le montage de l'outil. Là, je serre l'outil. Donc là, on va usiner les deux versions, version coupable et version Madforge Motor. Ce sera leur édition qui ne seront pas numérotées, qui seront uniques. Donc là, je vais aller prendre le zéro, donc l'angle par ici. Donc là, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on fait sur l'ordinateur. Mais là, c'est assez compliqué avec la caméra. Donc là, j'ai mis XY à 0. Ça va commencer à faire du bruit, je mets la broche en route. Là, je mets une commande S5000 pour 5000 tours minute, M3 pour démarrer le moteur. Et là, je vais tangenter la pièce pour avoir le Z0. Pour l'instant, j'ai fait XY à 0. Là, je vais dire que j'ai Z0 et je vais descendre petit à petit jusqu'à temps que j'entende toucher la plaque. Donc Z-01. Z-02, Z-03. Là j'enlève de la matière, donc je vais remonter Z-02. Là on est pas mal. Donc je règle mon Z à 0. Je remonte. Le moteur se lance à 18 000 tours minute. J'ai pris de quoi arroser un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas le système de pompe qui permet d'arroser pour éviter que la fraise chauffe et fonde le plexi. Donc, ça va être fait avec de l'eau. Et donc là, on va faire la gravure des logos. Donc là, le système qui sera mis en place, c'est une pompe qui ira envoyer via une petite buse de l'huile de coupe mélangée à de l'eau pour refroidir et enlever les copeaux.
Donc là c'est quelque chose qu'on verra quand j'aurai ma caméra frontale pour pouvoir faire tout le montage sur la machine. Là je retire un peu les copeaux. Et là on va attaquer le deuxième logo. Et là, je vais enlever un peu les copeaux. L'usinage est très très propre. Je vais changer d'outil et on va relancer. Donc là, je vais passer sur une fraise de 3 mm à 3 dentelures avec un corps de 6 mm. Donc procédure inverse, on défait. Alors j'ai décidé de revenir à ce que j'avais en tête à la base, c'est-à-dire au moins j'ai testé Facecam, j'ai testé sans parole, j'ai testé en sous-titrage anglais et ça me convenait pas. Donc pour l'instant je pense que je vais effectivement continuer sur vidéo dans ce style-là, mais passer avec le système comme j'ai dit FPV, donc vraiment pour filmer ce que je fais, ce que je vois, être un peu plus immersif. Et je vais voir ce que ça donne, donc ça sera pareil, commenter en français, mais avoir quelque chose d'un peu plus d'expliquer. C'est ce que je voulais faire. En fait c'est ce que je voulais faire à la base, c'était un format pas trop long avec des explications et on va dire quelque chose d'assez vivant. Donc là je vais retangenter, c'est-à-dire là je vais me remettre dans un coin, je vais me remettre à X0, Y0. Et là, je vais toucher la pièce. Donc là, une usine à 400 mm minute avec une passe de 1 mm. Donc là c'est une nouvelle fraise que j'utilise, c'est une fraise à 3 dents, habituellement j'utilise 2 dents, mais apparemment ça a l'air de bien fonctionner. Je vais débourrer un petit peu, alors faire attention à la machine, aux doigts.
Je tiens la pièce au cas où elle glisse, pour que si elle se détache, elle vienne vers moi et pas vers la fraise. Alors il se peut aussi que la pièce reste accrochée et que je l'ai pas cédé. Sinon c'est bon. Voilà. Donc là, on vient de finir l'usinage des deux premiers modèles définitifs. Donc ils seront logo comme ça, pour qu'on voit bien la forme du 6. Là, le 6 est à l'envers, c'est normal. Et là, donc la version que je viens de nettoyer, je vais la déprotéger sur l'arrière. Là, un super usinage. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc là, je viens de mettre une tôle de 2 mm aluminium. Bon, c'est une tôle de récupération. Sur les définitifs, ce sera une tôle neuve qui sera beaucoup plus propre. Donc alu 2 mm. J'ai mis des pinces plus grosses. Je vais aussi m'écarter beaucoup plus, comme ça j'ai pas besoin de vérifier les dimensions. Je serre les brides. Sachant que la pièce fait un peu moins de 20 cm. Je remets la fraise en V. La même que pour le plexi. Je vais caler mon X0, Y0 et Z0. Donc là c'est la sérigraphie pour Matforge Motor, donc version Matforge Motor. La tôle alu, gravée et légèrement poncée. Donc j'ai fait la plaque pour coupable. Là c'est le laiton. Donc le laiton que je vais mettre ici. Et là, les deux petits inserts en laiton. Pareil, ils ont été légèrement poncés. Je pense que je gardais cet effet-là un peu brossé. C'est poncé en 400 de haut en bas, dans ce sens-là. Ça fait des petits traits un peu sympas. Ça fait propre. Là, c'est poncé en désordre. Et là, poncé en ordre.
en comparaison en taille. Donc après ça, il faudra passer à l'usinage du bois. C'est du chêne, des tasseaux de chêne raboutés, de bonne qualité. Donc là, on va passer sur l'étau, qui a été réglé grâce au comparateur, en branchant le comparateur ici, en le fixant ici, et en palpant la ligne droite là. Il y a moins de 1 centième de millimètre de différence entre ce point-là et ce point-là dans cet axe-là. Donc là, on est bon. Ensuite, je prends un tasseau de chêne, donc de bonne qualité. Là, je regarde, j'essaie de trouver la partie la plus jolie qui sera dessus. Donc là, la partie la plus jolie, c'est celle-là. Donc je vais usiner sur la face arrière. Je la pose sur deux cales, des cales de 8 par 22. Et je fixe la pièce. Donc là, je serre, pas trop fort pour pas abîmer le bois. Alors après, ça reste du bois, donc il peut y avoir des petits défauts. Là, un collet de 10 que je mets ici. Et je vais mettre une pinule. Donc le système de fonctionnement de la pinule, on la fait tourner à 500 tours minute comme ça, désaxée. Et du moment où elle va se rapprocher du bois, elle va se réaxer jusqu'au moment où on va avancer un coup et elle va partir sur le côté. C'est-à-dire que du moment où elle va avancer sur le côté, on est au zéro. Je la bloque. Pas besoin de bloquer très fort. Et là, je vais lancer la rotation, me mettre dans l'axe et lancer la rotation. Voilà, donc là, on est presque axé. Donc là, je vais mettre Y0 et puis je vais avancer Y01, Y02, Y03. Voilà, ça a décalé. Donc ça, c'est mon Y moins 5. Je redéfais la pinule et là, je remets de la fraise de 6 extra longue avec 3 dentelures. Là maintenant, je vais considérer que j'ai mon x égale 0. Et maintenant, je vais tangenter le 0. Donc je vais aller là. Donc là, l'enregistrement a loupé au démarrage. Donc en fait, j'usine les 4 angles. Et les 4 angles sont faits de telle manière que je pars de l'extérieur vers l'intérieur pour éviter de faire des éclats dans le bois. Donc là, on est sur la dernière passe du trou pour mettre la LED. Donc il sera de côté. Et puis là, on va attaquer le perçage pour la plaque de plexi. Thank you.
Et là, on vient de traverser. Alors là, le plexi qui a été usiné, j'enlève juste la feuille. Alors vous voyez, on voit peut-être des rayures dessus. Mais c'est la feuille qui est rayée, après le reste est nickel. Donc là, le bois, normalement ça devrait rentrer juste, voire même en forçant. Donc là, ça rentre, ça va rentrer dedans sans trop de soucis. Au pire, un léger coup de ponçage là pour gratter un petit peu la dimension. Et là, voilà, rentrer en force, ça tient. Maintenant, on va attaquer l'usinage là pour l'insert coupable à forge motor. Cet insert, c'est en traversant de l'autre côté pour pouvoir aller mettre la prise USB-C qui va juste dépasser, qui va être pris dans le bois. Je vais l'usiner la face avant. Donc, je regarde laquelle est la plus jolie. Ben, celle-là, c'est la plus jolie. Là, c'est un peu moins beau, sans être non plus moche. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Je serre, je peux même enlever les cales, vu que je vais les traverser. Donc là, il va falloir que j'aille tangenter maintenant la pièce ici sur le 0 et ici sur le 0, donc X0 et Y0. Donc je remets la pinule. Donc là, j'attaque, j'ai mis Y à 0, 0,1, 0,2. 0,3, 0,4, X0,1, X0,2, X0,3, X0,4. Voilà, donc là je suis à X-5 et je remonte. Donc maintenant, si je reviens et que je fais X0, Y0, mon axe est pile poil dans l'axe du bois. M5, j'arrête le moteur. Je redéfais ça. Donc là, c'est mon 0. Je remonte en hauteur et je lance le programme. Et là, c'est fini. Je viens de retirer la pièce. Petit coup de débavurage de partout. Et on va tester donc la petite fiche. Voilà, nickel. Là, après un léger ponçage, c'est passé. Sur les suivants, je mettrai un dixième de plus dans la largeur et ça passera nickel. Et maintenant, je ferme en bas, sans attraper les câbles. Il manquera les 4 petits patins, il faut que je les achète. Et là, le logo, que j'enfonce pas plus que ça, mais qui viendra toucher à plat. Donc voilà le résultat. On passe à la dernière étape, qui est la pose d'un ruban LED. Donc là, un ruban LED assez court. Avec le système de gestion avec la télécommande et le câble USB, donc qui va être remplacé par ce câble ici. Et là, on va raccourcir, c'est-à-dire que je vais plier la nappe pour avoir vraiment quelque chose de le plus serré possible en termes de LED. On va serrer un petit peu plus. Donc là, je vous ai épargné le pliage, donc on va faire un petit pliage comme ça. Là, je vais tous les plier, je vais rescotcher
le ruban sur lui-même, et ensuite donc je remettrai un autre double face pour pouvoir les fixer. Donc voilà la version réduite qui va aller là-dedans. Là, on va souder le petit connecteur ici sur le bandeau. Et après, on va positionner tout ça à l'intérieur. Lui, il avait déjà été dessoudé, donc je ne vais pas remettre d'étain dessus. Je vais directement souder sur place. Je viens de raccourcir les fils. Je refais un petit point de soudure dessus, un petit peu. Je vais dessouder les deux fils là. Donc le plus en haut, le rouge. Le noir en bas. Un bout de double face pour la platine. Il faudra que j'essaie de trouver un double face un peu moins large. Et pour l'instant, j'ai trouvé que ça en standard. Et là, je colle le réseau LED sur le double face et en position. La prise USB-C à l'arrière. On, off. Il faut viser le plexi pour que l'infrarouge passe à l'intérieur. Donc on, vert, bleu, rouge. Toutes les couleurs multiples. On peut augmenter, baisser ou augmenter la puissance. En blanc si on veut. Et on peut faire du flash. Il y a plusieurs possibilités, mais le mieux, le smooth. On peut régler après la vitesse, plus ou moins rapide. Là, je l'ai mis assez rapide, je le rebaisse. Maintenant, on va couper la lumière.